Bonjour les passionnés. J'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 1,780 kg pour ce premier poisson. Je vous le montre. Donc de superbes couleurs. Donc l'idée, je les sors ici. On essaye de prendre 2-3 poissons, ce serait vraiment cool. Je vais les remettre là-bas parce que c'est beaucoup plus pratique en termes de descente et je reviens tout de suite. Allez! Donc deuxième touche. Vous avez vu, deuxième touche cette fois-ci, une miroir après la commune. On va la peser. Donc 1,840 kg pour ce deuxième poisson. Je la remets à l'eau et on essaie d'en avoir une troisième. Et je pêche de biais vers le poste 19-20. Donc on est à peu près entre le 18 et le 19. Nouvelle touche. Hop. Vous avez vu, juste en posant dans le rappel, nouveau poisson. Là, j'ai même pas eu le temps de reprendre ma canne en main. C'était reparti pour un nouveau combat. Donc il faut que je remette un peu de pelée parce que quand les poissons rentrent en bordure, ça peut procurer de très très grosses pêches. Là, le poisson revient sur la droite. Je pense pas que vous le voyez. Par contre, il se défend super bien. Là, c'est un beau combat. C'est une nouvelle miroir. Je pense qu'elle est au moins aussi grosse que la précédente, peut-être un petit peu plus. Elle m'a mis de très gros coups. Je vais essayer de la sortir. Ah zut! Ah c'est bon, elle est revenue. Je dirais qu'elle est un tout petit peu plus grosse. On va voir ça. En tout cas, on tient notre troisième poisson. 2,260 kg. Presque 2,3 kg pour ce poisson. Juste dans la descente, vous avez vu, le pelé devait être tout juste sur le fond et ça repart tout de suite au large, forcément. Le poisson sort rapidement de la bordure pour aller prendre le fond vers l'extérieur.
On dirait que c'est encore un joli poisson. Et voilà. Quatrième poisson, c'est bon, dans l'épuisette. Voilà. Quatrième poisson. Nous sommes à 22-23 minutes de pêche. J'espérais avoir deux ou trois poissons. C'est déjà le quatrième. On va essayer d'en refaire une cinquième. En une demi-heure, ce serait génial. On a encore 6-7 minutes. Allez, c'est parti. Nouvelle touche. Cette fois-ci, ça part tout doucement. Et là, le poisson ne bouge pas pour le moment. Ah zut, décroché. Peut-être un très beau poisson. Il m'a laissé son écaille. Voilà. Donc est-ce que je l'ai décroché et ça a repris une écaille? Sympa ce combat de commune là. Elle m'a fait beaucoup de tours, des ronds. Elle se bat en rond, des cercles, et elle met de gros coups de tête. C'est celle qui se bat le mieux depuis le début. Donc merci à vous pour tous vos abonnements et vos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. C'est super sympa. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire pour nous aider à nous développer. Merci beaucoup. Allez, je m'applique pour sortir ce dernier poisson. On est à une demi-heure de pêche. Et ça fait le cinquième poisson, peut-être. Oui, c'est bon. Et voilà, une demi-heure de pêche, cinquième poisson, probablement le plus lourd. 2,620 kg. Il manquait un peu le bout de la queue sur la balance. Voilà, sa nageoire dorsale est abîmée. Bon, ça arrive, hein. Mais super poisson, 2,6 kg. On finit là-dessus. Je vous dis à la prochaine vidéo. Faites de vos rêves votre vie. Salut !